Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Sur les 4 contre, 3 sont terminés au-delà du temps réglementaire avec ce premier puck. Et c'est l'ouverture du score pour le HC Bienne. Réussite de Fabio Hofer sur une merveille de centre. Devant le but de Vutriche. Et Hofer qui vient marquer son 9e but de la saison. Bien, c'est Kunti. Non, c'est Kunti, c'est numéro 10. Luca Kunti. L'assist magnifique de Damien Brunner. Hein, complètement à l'aveugle. On se retourne. Et Kunti qui traînait par là. Magnifique, hein, le sourire sur les lèvres. Oh, la mortie de Damien Brunner. Brunner au centre. C'est bien vu Brunner. Et c'est 2 à 0 pour le HC Bienne. Et cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. C'est bien Luca Kunti. Sur une nouvelle assist de Damien Brunner. C'est parti très très vite sur la cage de Vutriche. Brunner qui amortit cette passe et entre deux, Kunti du revers qui surprend Vutriche. Et c'est 2 à 0 déjà pour le HC Bienne. Et on regarde hein, du coup le puck à l'adversaire qui voit Hugli partir. Hugli, le tir! Et c'est 3 à 0 pour le HC Bienne. Par le numéro 89, Tino Kessler, 10e but de la saison. Un tir soudain qui surprend Vutriche. Mais de nouveau, hein, une erreur de Kaoun à la... dans la zone du HC Bienne. Et pour l'instant, Monzato, lui, ne bouge pas. Farni le tir, c'est Bader là, qui stoppe cet envoi du dos. Et Brunner qui s'échappe, il l'a senti. Brunner, et c'est 4 à 0. Brunner tout seul face à Philippe Vutriche. Et c'est la fête hein, du côté du HC Bienne. Brunner qui vient conclure son œuvre du premier tiers et qui a surtout très très bien senti le coup. Hein. Il était parti déjà avant tout le monde en direction du but. La feinte. Et Vutriche qui ne peut rien faire. Et grâce au nombre, hein, 3 contre 2, le tir! Et c'est 5 à 0! Incroyable ce premier tiers du HC Bienne. L'impression que tous les pucks rentrent directement dans le but. Mais c'est Kunstler, 17e but de la saison. Alors qu'il y a une discussion là entre Thomas Ruffelhardt et Daniel Pietrzaczek. 5 à 0, 1 minute 34 encore à faire dans cette première période de vitesse. Et là, entre ces deux équipes. Et le but! Et la réaction du CP Berne. Une rondelle là qui vient glisser derrière Von Pottelberg. La réduction du score, déjà 6 buts en un tiers. On est reparti sur les bases du dernier match entre ces deux équipes. On va voir hein, Simon Moser. Est-ce que c'est lui qui touche le puck au dernier? Ah, c'est un but malheureux là pour Van Pottelberg. En tout cas, Simon Moser le touche à ce moment-là. Oh, la réduction du score pour le CP Berne à 4 contre 5. Incroyable. Les Biennois qui permettent à Thierry Bader de réduire la marque. Alors, wow, l'erreur de Von Pottelberg. Rayala qui n'arrive pas à saisir du puck. Et Bader qui en profite.
Ah, la cage est vide, hein, pour Bader. Ouais, one bottle.